Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Salut Hervé, très heureux de commenter ce match avec toi. Et pour ce match, nous allons retrouver le FC Metz face au Chamois Niortais. Alors voilà, une équipe qui devrait jouer comme d'habitude, hein, c'est-à-dire en mettant une grosse pression sur l'adversaire, y compris dans son camp d'ailleurs. Ouais, on a clairement un coach qui a intégré les bases du football moderne, on ne peut pas en dire autant de tous ses confrères. Voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Et pour ce match, nous allons retrouver le FC Metz face au Chamois Niortais. Traoré. Oh là, un petit peu ambitieuse là, peut-être la volée. Oui, alors tu vois, là tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Le centre est bon. On revoit bien sur ce ralenti, mais le ballon s'élève trop et passe au-dessus. Allez, le centre à venir. Ouais, pas... Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh, il pouvait mettre son équipe devant. Renaud Coed. Ouais, la frappe. Le gardien qui éloigne le danger. Mais il prend sa chance. Corner à suivre pour Metz. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. La frappe. Passe en profondeur. Oh, c'est le gardien qui a le dernier mot. Ah, c'est bien dégagé devant. Il va pouvoir s'enfoncer. Oh, la faute, oui, pas correct ce tacle et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. Allez, un carton jaune, ça va le calmer et ça va surtout lui poser des petits problèmes jusqu'à la fin du match, hein, maintenant. Ah, l'adversaire d'en profiter, maintenant. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Allez, le coup franc dans la boîte. Oh, il y est ! Oh, le premier but dans cette rencontre ! Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. L'enchaînement parfait sur ce but. Ouais, le centre, il se démarque, la tête, c'est imparable. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Ouais, la frappe. Oh là là, c'est pas passé loin. Non, c'était pas mal joué. Il faut tout de suite oublier cette occasion pour repartir immédiatement à l'attaque. Ouais, le jeu qui se poursuit. Et le centre. Oh, la faute, ouais, il est allé trop fort. Il risque de prendre un jaune. Et l'arbitre qui siffle faute. Carton jaune. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Ce ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard. Très loin. Attention à la frappe. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Renaud Coad. Coad. Oh, l'égalisation ! L'égalisation, Pierre ! Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance, peut-être, dans le camp d'en face. On sent une équipe qui a pris la mesure de son adversaire, Pierre. Oh, bah, elle était déjà considérée comme la plus forte sur le papier, puis comme elle ne déçoit pas, qu'elle produit du jeu, bah, c'est logique de la voir prendre le dessus. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc. Il se présente face au gardien. Il va pouvoir centrer. Traoré.
Ouais, voilà le but, on le sentait venir et il est là. Et cette équipe qui prend l'avantage, c'est mérité. Maintenant, l'idéal, ce serait de confirmer. Cette rencontre qui s'emballe depuis quelques minutes. On vient d'assister à deux buts coup sur coup. Il faudrait peut-être commencer à penser à resserrer le marquage, les gars. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Attention, il y va tout seul. Oh, sur le poteau. Ah oui, le soutien, ça peut être très dangereux. Le tir. Voilà le but. Le but de l'égalisation pour cette équipe. Elle a su réagir, c'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. Et regardez avec quelle détermination ils sont venus arracher cette égalisation. C'est d'autant plus fort qu'on est en toute fin de match. Ouais, on avait peur qu'il soit un peu émoussé sur le plan physique, puis il en est rien. Un changement dans l'équipe niortaise. Hervé, on va voir si ce changement modifie le cours du match. Entraîneur du FC Metz qui va faire entrer un joueur frais. Entraîneur qui, bien sûr, espère avoir fait le bon choix. Ouais, dans le trou. Ah, oh, l'interception, il a tout anticipé. Allez, l'occasion peut-être de mener. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Le joueur qui cède à sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Idéalement placé là pour le centre. Occasion de prendre l'avantage. Ah oh oui, le but qui donne l'avantage à son équipe. Ouais, en toute fin de match en plus, il a vraiment bien choisi son moment pour le mettre celui-là. Ah, ils ont sans doute choisi le meilleur moment pour marquer parce qu'il reste plus beaucoup de temps maintenant au chronomètre. C'est un but qui fait mal, Hervé. Allez, c'est pratiquement le but de la victoire. Et voilà, c'est fini. On a vu une attaque complètement débridée dans cette partie. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il y a la victoire au bout. C'est un bon match qu'il vient de livrer, qu'a doublé à la clé. Quand il évolue à ce niveau-là, il a tendance à tirer l'équipe vers le haut. Il continue. L'accélération. Il marque. Magnifique action, ce but, il ne le doit à personne, il est allé tout seul et c'est parfait.